Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir, car ce film et cette réalisation met en valeur la créativité et les talents de jeunes de l'école du droit. Et donc, il me semblait important d'introduire cette soirée. Quelle a été cette aventure dans ce court-métrage ? Eh bien, en fait, donc, c'est Guillaume qui m'a contacté. Donc, il m'a parlé de ce projet donc, avec tous ces adolescents. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais travaillé avec des ados. Et ils étaient extrêmement professionnels, parfois même bien plus professionnels que ce que j'avais pu voir auparavant. Et donc, du coup, c'était une très, très belle aventure. Alors, Johan, tu es le rôle principal dans ce film. Qui es-tu, Johan ? J'ai rencontré Olivier Vidal sur Facebook. Et un jour, je l'ai vu comme ça. Et il m'a proposé de passer le casting pour... ce film. Pourquoi vous me détestez comme ça? Vous me faites de la peine. Vous me rappelez mon père. Je m'en fous de ton père. Ce titre, que vous évoque-t-il quand vous en avez eu connaissance? Ce qui m'évoque, c'est surtout ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que malheureusement, il y a toujours un petit conflit de génération, c'est-à-dire avec l'électronique et tout, par moments, les personnes de mon âge se sentent un peu déphasées, et c'est ce qui amène ce conflit. Mais bon, ce film, je pense que le public va le ressentir, c'est que malgré tout ça, il y a l'affection qui se retrouve entre les générations. Guillaume Contival, une expérience. Une expérience, oui, une expérience de plus, parce que c'est pas la première. C'est l'étape suivante d'un processus qui mène vers... on commence par un premier court-métrage qui s'appelle La dernière disparition, qui commence à plaire au public, qui est professionnel. Et puis après on se dit, bon mais qu'est-ce que je vais faire après, derrière? Et on commence à réfléchir, ça travaille longuement dans la tête. Et puis à bout de 2 ans, on arrive à pondre un scénario, après avoir découvert des lieux très beaux de la région, comme le château de Pibrac, et ça naît, et voilà, une nouvelle expérience, des apprentissages, parce qu'à chaque fois qu'on fait un tournage, c'est de nouveaux apprentissages, et puis des moments forts avec une équipe, des moments inoubliables. Alors il faut dire bien sûr que l'équipe, ce sont des jeunes, parce que votre particularité, c'est de faire travailler les jeunes, de leur faire découvrir les métiers du cinéma sous tous les aspects techniques. Voilà, et c'est comme on le voyait dans le making-of, tout le mérite de ce film, dans le fond, revient aux jeunes, parce que s'ils n'avaient pas été là pour à la fois apprendre comment on fait du cinéma derrière la caméra, avec les différents métiers, mais aussi pour soutenir le projet, le créer avec nous, il n'aurait pas existé. Donc c'est à eux vraiment que je veux leur rendre hommage, parce que je sais que c'est à eux qu'on leur doit beaucoup. Laura, tu viens de voir le film Génération lointaine, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai adoré. Je m'adresse à vous, que pensez-vous donc de Génération lointaine ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors moi ce film m'a beaucoup émue, parce que ça m'a rappelé ma jeunesse en fait. Ça m'a rappelé ma jeunesse, mes petits parcours en vélo et l'amitié que j'avais liée justement avec une personne âgée. Donc c'est pour ça que ce film m'a énormément touchée. Alors Michel, vous venez donc de voir La Génération lointaine en avant-première au Tempo. Quel est votre ressenti ? Eh bien, écoutez, une réalisation extraordinaire qui pose réflexion. C'est simplement une réflexion pour nous-mêmes sur notre parcours, sur ce que l'on vit autour de nous, mais qui nous questionne sur notre propre comportement. Guillaume Contival, dès que vous avez terminé un film, je sais que déjà, dans votre cerveau, fourmillent des idées. Vous n'arrêtez jamais. En fait, pour ce film-là, c'est les gens qui me donnent des idées. Parce que quand le film se termine, bon, ils sont contents, ils ont passé une bonne soirée. Mais ils me disent qu'ils aimeraient avoir une suite à cette histoire. Donc forcément, quand j'entends ça, dans ma tête, il se passe quelque chose, ça travaille. J'ai tourné avec Omar Sy à Paris, dans le film Chocolat, qui sortira en 2016. Oh. Ouais. Et avec Kev Adams, dans Ami Public numéro 1, il va sortir en 2016 aussi. C'est vrai. Donc, ce film est l'œuvre de la team de Toulouse. Le montage de ce film aussi. Tiens, tes 8 papiers. Maintenant, tu dégages. Ça doit durer 8 semaines, pas un jour. Ton portable qui t'intéresse, hein.
Ah, la jeunesse. C'est plus ce que c'était, hein. Parce que c'était comment, votre époque? Bonjour, monsieur Durand. J'ai un gâteau pour vous. J'en veux pas de ton gâteau. J'aime pas ça. Mais prenez-le quand même. C'est un gâteau qui redonne le sourire.